On se retrouve aujourd'hui pour un petit jeu que je vais faire avec ma fille. Donc on va piocher chacun 8 couleurs dans un gros seau. Donc il contient 160 couleurs. Pour qu'on ait plus ou moins des couleurs convenables, on va dire. Et on va colorier tous les deux le même dessin. Donc celui de ma fille et le mien. Donc vous pouvez voir que c'est exactement le même dessin. Donc habituellement je l'ai fait à la main, mais là je l'ai imprimé vu le manque de temps. Donc on va commencer. Donc Madison, tu pioches 8 couleurs. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va regarder ce qu'il y a comme couleur. Alors, deux fois la même couleur, donc du bleu clair, deux verts, on va dire identiques, un jaune foncé et un jaune clair, un rouge et un marron. Voilà. Donc maintenant, à mon tour. Tiens, Madison, tu tiens. Maman, voilà. Tu fais pareil. Donc à mon tour. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et 8. Voilà, alors on va regarder ce qu'il y a comme couleur. Alors, on va dire qu'on n'est pas gâté, hein. Alors, on a du vert clair, du vert foncé, du rouge, du gris, du marron, du bleu, du noir, et bah puis le même gris que tout à l'heure. Voilà. On va dire que c'est beaucoup de couleurs foncées. Moi, j'en avais moins. Bon, voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour vous donner le résultat du coloriage. Parce que ça va être assez long. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, rebonjour. Donc, nous revoilà. Nous revoilà. Donc, on a décidé à moitié du dessin, vu les couleurs que nous avons, ça devient un peu compliqué de pouvoir continuer. Donc nous avons décidé donc déjà de changer les doubles que nous avions, puisque ma fille avait deux fois les mêmes couleurs et moi une fois la même couleur. Et après, on va faire une tournée. Et voilà, et après on va repiocher quelques couleurs supplémentaires. Allez Madison, tu me donnes ceux-là, je les garde dans la main pour éviter que tu les repioches. D'accord, donc ma fille va rechanger ces deux-là. Donc le bleu clair qu'on pensait bleu clair, résultat des courses, qui ne fait pas si bleu que ça puisqu'elle a colorié ici avec, et ça fait plus vert que bleu. Ça m'a arrangé pour le clair. Voilà, et puis le vert foncé. Allez, tu fermes tes yeux et tu pioches deux couleurs. D'accord, donc tu pioches deux couleurs. Voilà, donc un. C'est un jeu qui me dit. Et deux. Voilà. Donc ça va. Donc là, elle a pioché deux bonnes couleurs qui vont pouvoir l'aider à avancer. Donc elle a un marron foncé. Marron noir, plus ou moins, parce que vu qu'ils sont pas très pratiques ces feutres-là. Et un rose. Donc qui fera rose foncé. Voilà. Donc maintenant, on a décidé de piocher trois couleurs supplémentaires. Allez, Madison, non, tu fermes tes yeux. Non, tu continues parce que tu commences en premier.
Alors, voilà, donc elle a une bonne couleur, je trouve. Deux. Donc celle-là, je pense qu'elle va le rechanger. On va essayer d'éviter d'avoir trop de couleurs identiques. Voilà. Donc tu vas piocher un violet, un orange et un autre vert. Donc vu que tu as déjà un vert, on va rechanger le vert. Donc je le garde dans la main et tu repioches une autre couleur. Vas-y. Vas-y, repioche une couleur. Eh ben, on va le regarder parce que tu viens de piocher juste avant. Donc, oui, il est là. Voilà. Donc, elle l'avait déjà. Donc, on va rechanger la couleur du coup. Allez, repioche. Ah, elle a un violet clair. Donc, ça lui fera un violet foncé et un violet clair. Je le prends. Voilà. Donc, maintenant, à mon tour de rechanger mes couleurs. Donc, moi, je n'avais qu'un seul double. Donc, c'était le gris que j'avais en deux fois. Du coup, je vais rechanger celui-ci et je vais repiocher trois couleurs. Allez, Madison, tu... Visualise bien le pot. Voilà, donc je garde sur le côté. Visualise le pot. Oui, alors, voilà. Donc, je pioche celui-ci. Celui-ci. Et celui-là. Celui-ci. Et une quatrième, puisque je viens de changer mon gris. Je crois que tu vas le rechanger, c'est encore un gris. Ah oui, donc c'est encore un gris. Donc j'ai déjà posé ceux-là. Et je vais rechanger le vert, parce que j'ai déjà du vert. J'ai ce vert-là et ce vert-ci. Du coup, je vais rechanger celui-ci. Vu que c'est un pot de feutre, donc il y a plusieurs coloris identiques. Oh. C'est vrai que c'est assez compliqué. Maman. Ouais, t'en fais le jeu. Allez, tu refais. Eh ben, on va rechanger le gris, parce que le gris, on l'a déjà, donc... Mais le bleu, on l'a pas. Et le bleu, je l'ai pas, j'avais un bleu clair. Ah, ben voilà. Ben voilà, on a une bonne couleur. Donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons continuer le coloriage avec les couleurs que nous avons. Donc, pour ma fille, c'est du... violet clair, violet foncé, orange, marron foncé, rose, clair, c'est clair, mais bon, je pense qu'il fait un peu foncé quand même. Du jaune clair, du jaune foncé, du bleu vert, ce qui fait plus vert que bleu, du vert, du rouge et du marron foncé. Enfin, du marron clair plutôt. Qui fait foncé ? Moi, j'ai du jaune. Du bleu foncé, du orange, du violet, du bleu clair, du vert foncé, du gris, du noir, du marron, du vert clair et du rouge. On se revoit tout à l'heure. Et nous revoilà. Nous revoilà. Donc voici le résultat après plus d'une heure de coloriage parce que ça a été très long. Donc voici celui de ma fille. C'est moi. Voilà celui de ma fille avec les couleurs que nous avions, enfin qu'elle avait. Voilà. Voici le mien avec les couleurs que j'avais juste au-dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous informe également que j'ai un concours sur mon compte Instagram qui est en cours. Donc si vous souhaitez y participer, c'est sur le compte Création Créava. Et un concours également en cours sur mon compte Facebook. Donc c'est Facebook Créava aussi. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.